On est dans Bureau des Coutumes sur le droit 27. Donc on va essayer de résumer ce qu'on a dit hier avant de continuer. Le principe de base, déjà qu'il faut savoir, l'axiome de base, c'est que tous les univers ont été créés pour le Ham Israël. Donc la fin de la réparation du monde, c'est la réparation du Ham Israël. Ok. Donc, quand on va réparer le Ham Israël, tout va être réparé. Donc tout ce qui manque dans le monde, tout ce qui est chasser, tout ce qui est un problème, c'est uniquement, ça provient d'un manque de réparation du Ham Israël, c'est tout. C'est le problème du monde, d'accord. Le Ham Israël, il faut qu'il arrive à son tikkun. Dans les mondes inférieurs comme le nôtre, ou bien dans les mondes supérieurs, jusqu'au Kissé HaKavod, jusqu'à Hachem Mamash. C'est-à-dire jusqu'au niveau le plus élevé qui existe de sainteté, le monde dépend de la réparation du Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le monde dépend de la réparation du Ham Israël? C'est-à-dire que chaque élément n'arrivera à sa vision d'Hachem parfaite que quand le Ham Israël aura été réparé. Ok? C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il y a sur Terre, tous les règnes, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal ou l'humain, ils attendent tous la réparation du Ham Israël pour pouvoir capter Hachem au niveau où ils doivent le capter. D'accord ? Maintenant, tant que le Ham Israël n'est pas réparé, il y a deux attitudes possibles pour le reste de la création. Soit, puisque le Ham Israël n'est pas réparé, donc on reste en arrière, on ne fait rien pour l'instant, on ne cherche pas à se rapprocher de Dieu, donc on va vers l'idolâtrie ou vers la consommation, c'est pareil, comme on a vu Rabbanan Nachman, on a vu ce matin, il rapporte que toute tava, n'importe quel plaisir, quelle recherche de plaisir sur terre, ça vient de l'idolâtrie, Béhémet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais comportement qui provient d'autre chose que d'une conception fausse d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire la base, c'est dans le concept d'Hachem qu'il y a un problème. Donc quand Esav, il a choisi la consommation, quand les nations ont choisi la consommation, ça veut dire que elles se sont découragées sur leur possibilité un jour d'arriver à se rapprocher d'Hachem. D'accord ? Donc ils sont désespérés sur ça. Pourquoi ? Parce que ils ont perdu de vue leur intermédiaire véritable. D'accord ? Cet intermédiaire, c'est pas un intermédiaire qui est indépendant, c'est un intermédiaire qui fait venir, c'est-à-dire qui amène des solutions d'interprétation, de rapprochement vers Hachem à tous les niveaux. C'est le Ham Israël. Le Ham Israël, il doit progresser, il a une obligation de progresser vers Hachem, parce que chaque pas qu'il fait vers HaKadosh Baruch Hu, il crée un tzimtzum dans le monde, c'est-à-dire il crée une formule condensée qui permet de concevoir Hachem, même pour quelqu'un qui est très très loin.